Bonjour à tous, bienvenue dans l'Unboxing. Aujourd'hui, on se retrouve dans la Sneaker Cave, située pas loin du village caché de Konoha. Et la paire que je vais vous présenter, c'est la Nike Air Foamposite Thermal Map. Voilà la paire. L'empeigne du modèle est en foamposite et en daim. Il est profilé en un seul tenant. Le foamposite est une technologie développée par Nike. Elle est particulièrement solide tout en s'adaptant parfaitement à la forme du pied. La semelle extérieure transparente est très adhérente. Elle met de côté les glissades sur les parquets ou sur les bouches d'égout partant des jeux. En plus de ça, elle est équipée d'une unité Nike Zoom performante et elle offre un amorti tout en légèreté dans une coupe basketball montante aux 3 quarts. L'imprimé sur le modèle est une carte thermique pixelisée. Sur la languette, on retrouve le logo du joueur NBA Penny Hardaway pour qui fut créée la chaussure en 1997 pendant sa carrière au Orlando Magic. La Nike Air Foamposite One arbore un style audacieux. Pas encore assumé en France par le grand public, il faut savoir que certains coloris se dénichent entre 2 et 4000 dollars. Prenons par exemple le modèle Paranorman inspiré du dessin animé L'étrange pouvoir de Norman. C'est le premier modèle B-Ball de chez Nike sorti à 200 dollars. A l'époque, Nike cherchait des nouvelles figures marketing et c'est vers Penny Hardaway, le meneur des Orlando Magic, qu'ils se sont tournés. Le projet s'annonçait comme le plus cher de l'histoire dans la création d'une basket. On parlerait d'un moule à 750 000 dollars. Voilà, on en a fini avec ce petit tour de la Nike Air Foamposite Thermal Map. Nous, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel unboxing. Entre temps, restez connectés sur les réseaux sociaux de Parlez-vous Sneakers, Dailymotion, Twitter et Facebook. Portez-vous bien et rockez vos kicks.